On fait la fête pour un divorce? Oui. C'est une tradition ici. Quand une femme divorce, ses amis et sa famille se réunissent pour faire la fête. Alors ça m'est pas... Parce que normalement, on fait des fêtes pour les mariages ou pour les anniversaires, pas pour les divorces. Chez nous, c'est comme ça. Regarde, c'est toutes les femmes qui arrivent. Elles arrivent du village d'à côté. Ce sont ses proches. Elles arrivent avec un tambour. Elles sont très contentes de divorcer. Hein. Qu'est-ce que c'est ? C'est le papier du divorce. C'est vous la divorcée ? Non, c'est ma fille. Et pourquoi vous êtes contente que votre fille divorce ? Malheureuse avec son mari. Mais aujourd'hui, elle est libre. Allez, tapez sur les tambours. Applaudissez. C'est vous qui divorcez, alors? Oui, c'est moi. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez décidé de tout arrêter? Mon mari n'a pas respecté le contrat. Il a été voir d'autres femmes. Ah bon? Je lui ai dit, soit tu respectes le contrat, soit on divorce. Et là, tout le monde a l'air très content. Vous, vous êtes contente? Oui, je suis contente. Parce que c'est lui qui n'a pas respecté le contrat. Il ne me respectait pas. D'accord. Et c'est vraiment une fête joyeuse, hein? Oui. C'est une belle fête. Cette fête sert aussi à ce que tout le monde sache qu'elle est divorcée. Comme ça... Si un autre homme veut l'épouser, il le sait. Mais par contre, si une nouvelle occasion se présente, il faut attendre 3 mois pour se remarier. C'est la règle. Ah d'accord, 3 mois. Et pourquoi 3 mois? Pourquoi? Comme ça, on est sûr qu'elle n'est pas enceinte, qu'il n'y a pas de bébé. Ah ok. Il y a beaucoup de divorces en Mauritanie? Oui, il y a beaucoup de divorces en Mauritanie. Beaucoup de divorces. Surtout chez les plus jeunes. Ils se marient très tôt, ils divorcent, ils se remarient. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup ? Beaucoup.